Alors en fait, Dante est un poète non seulement européen mais mondial qui intéresse absolument tout le monde, mais que les Italiens ont revendiqué depuis assez longtemps comme étant leur poète national. Mais c'est seulement en 2020, il y a un an, que le Conseil des ministres italien a décidé d'instituer un jour officiel, une fête nationale Dante, Dante Di, jour de Dante, pour célébrer le poète. Et parce que selon les mots du ministre de la Culture, Dante, je cite, Dante est l'unité du pays, Dante est la langue italienne, Dante est l'idée même de l'Italie. Et donc en 2020, en ligne, puisque toutes les conférences, la célébration officielle s'est faite déjà en ligne, et cette année ça va être la même chose, le 25 mars, à partir de ce 25 mars, donc 2021, en 2020 c'était l'annonce officielle de l'instauration de ce jour. Mais le 25 mars 2021, c'est la première fois que ce jour figure dans le calendrier, et en particulier dans les calendriers scolaires, mais dans le calendrier italien, comme fête de Dante. Et donc, il sera donc célébré chaque année. Alors, ce jour a été choisi non pas en rapport avec la biographie de Dante, puisqu'ils ont beaucoup discuté pour savoir quel allait être le jour choisi, mais ils ont renoncé à la date de sa naissance, parce qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas quel jour il est né. On pense qu'il est né en 1265, mais ce n'est même pas sûr. Et le jour de sa mort est lui beaucoup plus assuré, c'est le 14 septembre, donc 1321. Le jour de sa mort n'a pas été jugé assez stimulant pour cette fête qui se veut festive. Et donc, après avoir beaucoup discuté, les spécialistes ont proposé, c'est une idée tout à fait judicieuse, de choisir une date symbolique qui est celle du moment où Dante démarre son voyage dans le monde des morts. Alors, le problème, c'est que Dante ne dit pas qu'il part, que son voyage commence le 25 mars. Mais il dit que son voyage commence le vendredi saint de l'année 1300. Il écrit après, il écrit à peu près dans les années 1315, 1310, 1315, il a mis très longtemps à écrire. Et donc, après des calculs très savants, à partir de calculs très savants, les Italiens ont décidé de choisir le 25 mars parce qu'il se trouve que le 25 mars était au Moyen-Âge, à l'époque de Dante, un jour très important qui faisait qu'on considérait être le jour de la conception du Christ, qui est donc né 9 mois plus tard, et aussi le jour, le vendredi saint, ou de sa mort, à l'époque où le Christ a été crucifié. Donc ce sont des calculs astronomiques très savants qui ne sont pas bien entendu n'ont qu'une valeur scientifique, mais qui symboliquement sont très importants parce qu'il subsiste encore en Italie des traces folkloriques de ce jour, de ce 25 mars, jour où le Christ a été conçu et où il est descendu aux enfers pour en tirer les patriarches de l'Ancien Testament. Et ensuite, il ressuscite lui-même 3 jours après. Et donc, le voyage de Dante se situe dans la comédie, les trois parties, le voyage en enfer, au purgatoire et au paradis, se situe précisément entre le vendredi saint et le jour de Pâques de l'année 1300. Or, mais Dante, comme je le disais, n'est pas seulement italien. Donc, ce 25 mars est aussi appelé à être une date symbolique importante, non seulement en Italie, où c'est un peu officiel, mais aussi dans le monde entier, parce qu'il se trouve que cette période du 25 mars a été choisie aussi parce que c'est le début du printemps. Et qu'en France et ailleurs en Europe aussi, ce n'est pas exactement le 25, mais cette semaine, la semaine du printemps, est consacrée aussi à la poésie. Et il se trouve que donc le printemps des poètes va coïncider à partir de cette année, avec le jour de Dante, et tout ça est parfaitement stimulant pour l'esprit et aussi pour la cohésion sociale, parce que ce qui caractérise Dante, c'est qu'il s'agit d'un poète qui est à la fois populaire et savant, qui est à la fois très difficile à lire, enseigné dans les écoles en Italie, beaucoup moins en France, mais par lequel il faut passer pour apprendre la langue italienne. Mais c'est aussi un poète qui est à la fois proche et distant, dans lequel chacun peut se reconnaître en le lisant, mais qui est quand même difficile à lire. Donc, néanmoins, c'est celui qui se définit lui-même comme poète, parce qu'il se donne à lui-même, en tant que poète, une mission, et qui est une mission civilisatrice. Le poète est au service des hommes et de la société,
pas pour donner des leçons, pas pour énoncer des préceptes moraux, même s'il est question des péchés dans la visite des enfers. Dante rencontre des pécheurs qui se repentent parce qu'ils ont mal agi. Mais le poète n'est pas là pour dire ce qu'est le bien et le mal, mais pour rendre compte d'une expérience qui est celle de la conscience, précisément du fait d'être humain et du fait d'être un individu social. Donc, depuis 700 ans, Dante est de tous les temps et de tous les pays. Il se dit lui-même, dans ses écrits, parce qu'il n'a pas écrit que la Jérusalem, que la Divine Comédie, mais également des écrits en latin et en italien, où il se commente lui-même, où il commente ses propres poèmes et où il parle de la langue, de sa recherche d'une langue qu'il appelle le vulgaire illustre. Le vulgaire, c'est la langue parlée par le peuple, ce n'est pas péjoratif. Et donc, dans ses écrits, Dante se déclare lui-même toscan, né en Toscane. La première fois que j'ai vu la lumière, c'était la lumière de Toscane. Il est florentin, mais il a passé toute sa vie en exil. Et il est florentin de naissance, méditerranéen par héritage culturel, européen, il se considère comme européen parce que l'Italie à l'époque était en particulier gouvernée, il faisait partie du Saint-Empire romain germanique et était donc européenne de fait. Et il se déclare citoyen du monde, par choix. Le monde est ma patrie, dit-il, comme l'eau pour les poissons. Il était donc aussi tourné vers le futur, parce qu'il s'adresse au futur, à la futura gente, mais il était surtout attaché à l'héritage des anciens poètes, puisqu'il choisit Virgile pour être son guide dans le pays des morts, dans sa traversée du monde des morts. Et les anciens poètes, ce sont surtout Virgile, Homère et Orphée, dont je parlerai un peu. Il renouvelle en fait, au présent, la fonction intellectuelle et morale des poètes, par un engagement qui est, pour ce qui le concerne, politique, puisque Dante a été aussi un homme d'action et un homme politique exilé précisément pour son engagement politique. Et il croyait que la poésie est non seulement utile aux sociétés humaines, mais nécessaire. Pour Dante, la mémoire des morts est indissociable de l'art, de l'expression artistique, et la parole poétique est à la fois musique et image, image figurée. Le monde des morts n'est pas un autre monde, ailleurs, mais il est dans l'espace, il est inscrit dans le même espace terrestre que celui dans lequel vivent tous les hommes, et aussi dans tout ce qui environne la Terre, le ciel, le soleil et les étoiles. Le soleil et les étoiles, c'est le vers qui termine chacun des trois champs. Ce que Dante décrit, c'est donc un espace réel et concret où les vivants et les morts cohabitent et communiquent par la mémoire et par l'imagination. Il raconte donc la comédie, la divine comédie, raconte un voyage imaginé dans un au-delà qui n'est pas en dehors du monde, mais qui est aussi réel et concret que la terre, que la nature que le poète traverse et que les paroles qu'il entend et qui nous sont familières. Ce qui le rapproche de nous, c'est qu'il se met en scène lui-même comme un poète apprenti, guidé par les enseignements que les anciens lui ont transmis et que son poème transmet à la futura gente, c'est-à-dire tous ceux qui, depuis 700 ans, le lisent et ont appris grâce à lui à mieux se connaître eux-mêmes et parfois aussi à mieux vivre. Le grand poème de Dante est à la fois populaire et savant parce que ses images nous parlent dans une langue commune, qui n'est pas seulement, pas parce que c'est l'italien, pas parce que c'est la langue d'un peuple, mais parce que c'est une langue simple, qui dit des choses difficiles, mais dans une langue simple, accessible à tous. Et c'est les images poétiques, la parole poétique, nous guident vers de nouvelles connaissances, sans cesse renouvelées, mais qui ne sont pas non plus des sciences instituées, des dogmes, mais qui sont des étonnements. Et son récit est tissé de descriptions et de rencontres, et traverse des lieux où tous les humains sont égaux et contemporains. Et grâce à la médiation des poètes, tous se comprennent, malgré Babel, toutes les langues échangent entre elles, même si elles sont différentes, et tous les morts parlent à Dante leur propre langue. Les impressions que décrit Dante, nous pouvons encore les ressentir.
parce que l'art qui accorde mémoire et imagination nous aide à comprendre ce qui nous relie au monde, d'abord la région du monde où nous vivons, le village, mais aussi l'univers physique et cosmique que l'humanité partage avec les plantes et les animaux. Bien que l'enfer soit la partie du poème la plus célèbre, la plus commentée, la plus illustrée et la plus souvent traduite, y compris en Corse récemment, par Guy de Benigni qui l'a traduit en Corse, c'est le purgatoire qui est le lieu le plus familier aux lecteurs corses de Dante, à ceux d'aujourd'hui comme aux anciens bergers qui connaissaient ces vers par cœur. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les poètes improvisateurs corses s'inspiraient de Dante pour adapter ces vers à leur propre réalité sociale et individuelle. Mais toutes sortes de gens du peuple, même illettrés, étaient capables d'en réciter spontanément des chants entiers. Jusqu'au milieu du XXe siècle, nous en avons des témoignages. La comédie nous entraîne donc à la suite des deux voyageurs, Virgile et Dante, l'un vivant, Dante, l'autre mort depuis plusieurs siècles, l'un en devenir et l'autre surgit du passé, pour traverser ensemble le centre de la Terre, d'un hémisphère à l'autre. Donc l'enfer est au centre, Satan est au centre exact de la Terre, et les voyageurs ressortent au pôle sud, sur le rivage du Nil-Montagne, où Dante situe le purgatoire, le lieu où les âmes acquièrent la conscience de leurs fautes et en sont purifiées au point de pouvoir accéder au paradis, qui n'accueille pas que des saints, mais des justes et des sages. Dante gravit la montagne du purgatoire en compagnie des âmes pénitentes, qui sont parfois des poètes, des musiciens, qui le reconnaissent et qui chantent, qui connaissent ses chansons, et qui les chantent et qui les déclament. Et jusqu'au sommet, il arrive au sommet où il a situé le paradis terrestre, un jardin qui ressemble au Parnasse des anciens poètes, celui où les Grecs et les Latins recevaient l'inspiration des muses, et qui ressemble aussi à ce lieu dans les limbes à l'entrée des enfers, où Dante situe les anciens poètes, dont Virgile et Homère, qui sont là, dit-il, en suspens. Ils sont dans un état de désir qui n'est ni joyeux ni triste, mais ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espoir de salut parce qu'ils n'ont pas connu le christianisme, mais ils sont dans un état de désir permanent. Il se trouve que cette année, le printemps des poètes est placé sur le signe du désir, mais je ne crois pas qu'ils aient pensé à Dante, qui lui, pourtant, donne au désir, je pense, un autre mot. C'est le désir de savoir pour lui, j'y reviendrai. Donc, ensuite, après le paradis terrestre, guidé par l'amour de Béatrice qui prend la place de Virgile à cet endroit, Dante entame la dernière partie du voyage, la traversée du paradis, qui est un voyage interplanétaire. Il traverse toutes les sphères célestes, toutes les planètes, et là, il rencontre ses ancêtres et les ancêtres de l'humanité, tous les sages qui lui révèlent les secrets de l'univers, et il va aller en compagnie donc de ces sages jusqu'au bout, jusqu'aux limites impensables de l'espace céleste où il dit avoir regardé Dieu en face. Donc, c'est en tant que poète que Dante peut faire ce voyage, peut faire l'expérience du mal, compatir pour les damnés, accompagner les pénitents vers leur rédemption et regarder Dieu en face, en tant que poète. Qu'est-ce que être poète ? C'est le premier mot que Virgile prononce lorsque il apparaît à Dante, qui se trouve perdu dans la forêt obscure et ayant perdu son chemin et sur le point de perdre son âme. Virgile apparaît et lui dit « Poète à fougue ». Je fus poète. Et là, il ne dit pas son nom, et Dante le reconnaît et lui dit, tu es mon maître et mon père et mon auteur. Qu'est-ce qu'être poète donc ? C'est quel rôle le poète joue-t-il dans la société ? C'est la question que nous pose Dante et que je voudrais, sur laquelle je voudrais m'attarder un instant pour commencer. Depuis 700 ans donc, chaque génération redécouvre Dante. Partout, on recommence à le lire, parce que, non seulement parce que ces images font voir le réel tel qu'il est, mais parce que seule une conscience individuelle d'être au monde peut nous aider à sortir de l'enfer dans lequel, qui est toujours actuel,
et dans lequel, à chaque génération, qui prend des formes différentes, mais nous avons besoin d'un guide pour nous sortir vers la lumière, nous sortir de l'enfer vers la lumière. Et si les images montrent toujours Dante, si les illustrations de la comédie montrent toujours Dante marchant seul derrière Virgile, le monde des morts est pourtant aussi peuplé que celui des vivants, et Dante est toujours entouré d'une foule. Les deux poètes ne sont jamais seuls, mais cheminent au milieu de ce peuple qui souffre, avec lequel ils compatissent, auquel ils parlent, et qui, au purgatoire, chante, qu'on entend aussi chanter. Si Dante se représente lui-même comme un poète apprenti, qui a tout à apprendre de Virgile, revenu du lointain passé pour l'initier à une vie nouvelle, pour l'amener vers le futur, c'est parce que son engagement poétique est indissociable d'un engagement politique. Dante définit le poète comme un lieur. D'abord parce qu'il relie des mots, des langues, des images et des cultures, mais aussi parce que sa fonction propre est de relier les hommes entre eux. Dante Alighieri était un homme d'action. Et c'est en tant que tel qu'il se reconnaissait héritier de ces poètes, dont la parole, dans les sociétés les plus archaïques, était reconnue comme indispensable au maintien de l'équilibre, de la justice et de la santé du corps social. Et nous en avons besoin aujourd'hui où la santé publique redevient un problème. Dante est exemplaire parce qu'il a choisi de faire une œuvre singulière pour être utile à tous. Il faut être libre pour pouvoir choisir sa vie quand on est soumis à des contraintes extérieures telles que l'exil et pour écrire contre son temps. Parce que Dante était un être libre, exilé précisément parce qu'il n'est pas dans le sens de l'histoire. Mais aussi, il faut la singularité de cette liberté, c'est d'être à la fois naturellement attaché à ses racines, au lieu de sa naissance, Florence, et à la langue qu'il a appris en enfant, et se dire en même temps citoyen du monde, être dans le monde comme un poisson dans l'eau, comme il le dit lui-même. Dans le commentaire qu'il fait de ses chansons, dans le traité qui s'appelle Le Convive, le banquet, Dante explique que son banquet est offert à tous, au peuple, et qu'il l'écrit en italien pour que tout le monde puisse le lire, et parce qu'il commente aussi ses chansons qui sont écrites en italien. Mais il dit que le pain qui est offert dans cette scène, qui bien sûr a pour référence aussi le moment de la Passion, où le Christ partage le pain avec tous les hommes, ce pain, dit-il, ce n'est pas un pain de pur froment, un pain blanc, mais c'est un pain qui est un mélange de son et de céréales de qualité médiocre. C'est le pain des pauvres, celui qui rend compte vraiment de cette harmonie que l'idéal politique de Dante attribue au poète la mission de rendre possible et de communiquer aux autres hommes. En tout cas, de transmettre le désir aux autres hommes. Bien entendu, il n'arrivera pas, le poète n'a pas le pouvoir de faire régner la paix parmi les hommes ou de trouver le meilleur gouvernement. Mais il a le pouvoir d'en donner le désir et d'indiquer la voie. Cette harmonie poétique a pour référence la musique. Dans les textes où il explique, notamment dans le traité sur la langue vulgaire, où il explique pourquoi la poésie doit être écrite dans la langue du peuple et pas en latin, qui est la langue savante de la science et de la littérature savante, de la littérature noble, Dante explique que la forme de poésie la plus noble est la chanson. Mais il explique aussi que la raison pour laquelle la chanson est la forme de poésie la plus noble, c'est parce que la poésie elle-même se définit, et il le dit dans un mélange de grec et de latin, c'est une sorte d'alliance contre nature, la poésie se définit comme un mélange entre rhétorique et musique. Rhetorica, musica, quae poeta, dans son latin qui est du grec.
C'est dans le même traité sur la langue vulgaire où il explique pourquoi il faut écrire en italien et pas pourquoi il lui faut lui écrire en italien et pas en latin. Il explique que c'est la chanson, en fait, donc comme la poésie et musique, la chanson est un genre noble de poésie qui est proche du mode tragique des anciens. Mais quand il écrit son grand poème, la comédie, il choisit de lui donner le titre de comédie. Parce que, il dit que c'est parce que, non seulement on y parle la langue vulgarisée, c'est-à-dire celle qui traduit pour le peuple des choses difficiles, dans la langue du peuple, et non le latin, mais c'est aussi parce que, il explique dans une lettre, où il commente son poème après avoir écrit le paradis, après l'avoir terminé, quand il le livre au public, il explique que la comédie, qu'il a choisi ce titre de comédie parce que si on traduit en grec le mot comoidia, cela signifie, selon la traduction de Dante, un chant de village. Ce n'est pas le vrai sens, mais ce qui compte, c'est ce que lui entend dans ce mot. Il y a donc une grande cohérence symbolique dans l'insistance dont toute l'œuvre de Dante porte témoignage, qui tend à faire reconnaître le caractère illustre de la langue chantée par le peuple et la dignité des chansons dont la poésie est à la fois l'expression naturelle et une sorte de force de transformation, comme dira Paul Valéry, qui fait signifier autrement la langue du peuple. Mais Dante s'est beaucoup expliqué, mais toujours sous forme poétique, sous forme d'image, difficile à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours le commenter et on n'en a jamais fini. Mais on peut aussi le lire sans le commenter. Parce que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui comprennent les textes poétiques, n'ont pas besoin de les expliquer. Mais ils les perçoivent intuitivement parce que précisément la langue du poète leur est familière. Mais ceux qui ne comprennent pas les textes poétiques se méprennent en général sur le mépris apparent affiché par Dante quand il compare le toscan aux autres dialectes italiens, pour dire que tous les autres sont vraiment ridicules et que le toscan est celui qui est un peu le meilleur, même si ce n'est pas le seul et ça ne suffit pas. Ou par exemple quand, comme tous les citadins, il se moque des manières de parler des paysans et des montagnards, de leur accent et aussi de leurs chansons rustiques. Il y a là un paradoxe qui n'est apparent, car ce mépris de classe existait déjà au temps de Dante, le mépris des citadins envers les paysans, mais toute l'œuvre de Dante démontre qu'il n'y adhère pas, car il se traite lui-même comme il traite les autres, avec beaucoup de lucidité et d'ironie, jusqu'à l'autodérision. Cette forme d'esprit, typiquement méditerranéenne, je lirai tout à l'heure le passage où il explique que chacun trouve que la meilleure langue, la plus belle langue, c'est la sienne. Cette forme d'esprit typiquement méditerranéenne est une des singularités dans lesquelles les lecteurs corses de Dante peuvent aussi se reconnaître, de même que son goût pour les belles chansons. Dans la comédie, Dante se représente donc comme un écolier qui attend des poètes antiques non seulement des leçons de physique et de philosophie morale, mais d'abord des leçons de vie. Et il reçoit de Béatrice des reproches humiliants. Cet esprit, cette autodérision, elle se manifeste aussi dans ses dialogues avec Virgile et avec Béatrice. Cette humilité, c'est la plus haute des vertus, celle qui élève les pauvres et rabaisse les orgueilleux. Il ne faut pas confondre la sagesse vertueuse des humbles avec la soumission des esclaves, car l'humilité n'est pas une faiblesse, mais c'est la vertu qui accompagne la conscience de soi, qui rend libre et qui force le respect des autres. L'humilité, c'est que Dante met en scène lui-même en se représentant comme un poète apprenti, qui ne sait rien, qui a tout à apprendre des anciens. Cette humilité, c'est la vertu des poètes de village, dont la musique et la sagesse rustique étaient le ciment, le lion des sociétés anciennes dans toute la Méditerranée. Dante voyait en Orphée le symbole des pouvoirs civilisateurs de la poésie, qui est indissociable, la poésie, du risque, ce pouvoir est indissociable du risque majeur d'être incompris. Et c'est la raison pour laquelle Orphée est devenu un mythe. L'harmonie dont il rêvait ne peut pas se réaliser.
entre les hommes. Mais la poésie demeure nécessaire pour tous ceux qui préfèrent la paix à la guerre et qui considèrent la musique comme le prototype de toute harmonie, parce qu'elle accorde des sons opposés. Elle accorde l'aigu et le grave, le vif et le lent. Et elle rend harmonieuses les dissonances en changeant en accords des désaccords. Et la fonction politique du poète est du même ordre. Et c'est pour cette raison que Dante lui-même est devenu un mythe. Il s'est construit en tant que poète pour être un mythe à l'image d'Orphée et de Virgile. Pour Dante, le poète est donc investi d'une mission parce que la maîtrise des arts du langage, qui, comme tous les autres, est un art de lier, comme tous les autres arts, est un art de lier, implique aussi une responsabilité, celle de transmettre aux autres hommes les moyens de mener ce qu'il dit être l'ambition suprême de l'homme, le désir suprême des humains, de mener une vie de science et d'art. C'est une citation. Cette vie de science et d'art, c'est ce qui rend l'humain humain. C'est ce que les humanistes de la Renaissance, qui poursuivent l'œuvre de Dante et qui l'ont compris, vont appeler précisément l'humanisme. L'humanisme de la Renaissance et de Dante, ce n'est pas placer l'homme au centre du monde. C'est au contraire rappeler que l'homme est un animal et qu'il a des sentiments et que s'il est capable de parole et de raison, il est aussi d'abord soumis aux mêmes pulsions, aux mêmes désirs, aux mêmes faiblesses que tous les autres animaux. Orphée, dans le Banquet, dans son traité où il explique sa propre poésie, Dante interprète la figure d'Orphée charmant les animaux, Orphée dont le chant attire à lui des arbres et les rochers, il l'interprète comme étant le symbole du pouvoir de la lyre, qui est de civiliser les hommes. Les animaux, dit-il, ce sont les hommes qui ne savent pas encore mener cette vie de science et d'art. Une des variantes proposée par Dante pour formuler ce principe humaniste, il la met dans la bouche d'Ulysse, rencontré au fond de l'enfer, presque juste avant Satan, où il est puni à cause de sa ruse, dont le cheval de Troie qui a provoqué la ruine, de la destruction de la ville. Et donc Ulysse est puni pour avoir détruit Troie, mais il est, en revanche, il a eu le privilège, il raconte à Dante comment il est mort, et il a eu en quelque sorte ce privilège extraordinaire que Dante est le seul à connaître, d'être mort, d'avoir fait naufrage devant la montagne du Purgatoire. Ulysse raconte à Dante qu'après être revenu chez lui, il a été pris d'un désir de connaissance tellement impérieux qu'il a demandé à ses compagnons de repartir en bateau et qu'il a dépassé les limites de la Méditerranée, le détroit de Gibraltar qui fermait la Méditerranée parce qu'au-delà c'était l'inconnu, le monde des morts, le grand océan, le monde inhabité. Et Ulysse est allé explorer le grand océan et il a continué vers le sud jusqu'au pôle sud, explique Dante, où là, son audace était trop grande et il a été foudroyé. Il a été foudroyé devant cette montagne du Purgatoire que Dante va gravir juste après avoir reçu d'Ulysse, avoir dialogué ainsi avec Ulysse. Et les paroles que Ulysse dit avoir dites à ses compagnons, l'éloquence qui a persuadé, la rhétorique qui a persuadé les compagnons d'Ulysse de le suivre dans ce voyage d'exploration, Ulysse dit, vous n'êtes pas fait comme des brutes, mais vous êtes nés pour suivre vertu et connaissance. Et à ce moment-là, dit-il, mes compagnons sont tellement enthousiastes que je n'arrive même plus à les retenir. Ulysse est mort, à jamais, mais il n'était pas poète. Tandis qu'Orphée est placé. Orphée n'est pas en enfer, mais en tant que sage et en tant que poète civilisateur, il est placé dans cet espace intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts, qui est aussi il est aussi un messager entre le monde des vivants et le monde des morts, là où se situe Virgile, en compagnie des sages antiques, des philosophes, et de tous les innocents, les enfants morts sans baptême, dans ces limbes. Il fait partie de ceux, Orphée, qui au début du voyage accueillent Dante comme un des leurs, et lui avec Virgile, Homère et les philosophes aussi,
anciens, antiques, dont les philosophes grecs, latins et arabes aussi. Averroès est là aussi. Et Dante est accueilli comme un des leurs, dit-il, parmi ses sages, et ce sont eux qui lui donnent la force d'affronter les souffrances que doit endurer tout esprit lucide et conscient de ses propres erreurs pour accomplir ce désir de connaissance qui est naturel à l'humain. Comme il le dit, les premiers mots de ce traité du convive, de ce banquet dont le pain des pauvres offert à tous, « Tous les hommes désirent naturellement savoir », dit Dante. Et voilà la leçon de vie qu'il offre à tout âge et en tout lieu, par sa traversée de l'au-delà, à cause de la diversité des rencontres, à cause aussi des énigmes qu'elle propose à l'intelligence. La poésie de Dante est une initiation à l'audace, au courage de dire librement ce que l'on croit juste, en refusant de séparer intelligence et sensation, de diviser le corps et l'esprit. La leçon des poètes ne réduit pas la liberté d'expression à des éléments de langage, mais rend possible une liberté de pensée qui est indissociable de l'éthique sociale. Merci.